révélé en 2004 dans Les Choristes, le chef-d'œuvre de Christophe Baratier, Jean-Baptiste Monnier a fait du chemin depuis ses débuts de comédien. Acteur, mais aussi chanteur et mannequin, le garçon aux cheveux blonds et à la voix cristalline a bien grandi. En 2019, ce dernier est devenu papa d'un petit garçon, Ezra. Un heureux événement que le jeune homme, désormais âgé de 32 ans, et sa compagne Léa Arnezeder avaient annoncé avec joie sur Instagram. C'est donc tout naturellement que le couple de jeunes parents a renouvelé l'expérience ce lundi 29 mai avec une photo de leur dernier né, Joseph, âgé de moins de 3 semaines. Sur son compte personnel, Léa Arnezeder a régalé ses abonnés avec un rare aperçu de l'enfant, né le 11 mai. Dans sa story du jour, on peut donc apercevoir le bébé dans son berceau saisir une petite main, qui semble être celle de son grand frère. Une très belle photo, qui dévoile un moment de vie, tout en prenant soin de dissimuler le visage des enfants. Quant à Ezra, qui soufflera en septembre prochain ses 4 bougies, il est apparu à plusieurs reprises aux côtés de sa mère, mais aussi de son père, toujours le visage masqué. Autant de preuves d'une vie épanouie, qui semble réussir aux amoureux. Supérieur à Jean-Baptiste Monnier, qui est sa compagne, Léa Arnezeder? Jean-Baptiste Monnier, ses tendres confidences sur sa paternité au casting de la série audio de Profundis, lancée en début d'année sur Audible et Amazon, Jean-Baptiste Monnier s'était confié à cette occasion dans Nos Colonnes, en février dernier. Le comédien évoquait ses dernières collaborations, mais aussi la manière dont sa paternité l'a fait évoluer. « C'est mon meilleur pote », déclarait-il ainsi à propos d'Ezra, son fils aîné. Complètement gaga de son premier-né, le trentenaire ajoutait « C'est la plus belle chose d'avoir des enfants. J'ai découvert de vrais sentiments d'amour. On a ce devoir de transmission qui est assez beau et grand. Un devoir qu'il prend au pied de l'être, je ne mets pas mon fils sur les réseaux. Il aura le temps de s'y mettre quand il sera plus grand », avait-il précisé, confirmant son choix de ne pas exposer ses enfants sur Internet. L'acteur avait également expliqué, au cours du même entretien, s'être éveillé aux questions climatiques en devenant père. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Jacovi de Moreau.